Bienvenue dans cette journée de communication à propos du cancer de prostate à la clinique Saint-Jean-l'Ermitage. Alors, nous avons aujourd'hui réuni deux éléments pour sensibiliser les gens au cancer de prostate. D'une part, une prostate géante qui explique un peu l'anatomie de la prostate aux gens qui vont passer ici, soignants, patients. Et d'autre part, un appareil de chirurgie extrêmement innovant qui est un robot chirurgical. Ces journées sont en fait faites pour sensibiliser les patients au dépistage du cancer de la prostate, qui n'est pas actuellement un dépistage remboursé et qui doit être demandé par les patients. Cependant, il est possible que dans les années qui viennent, et notamment sous l'effet de directives européennes, le dépistage puisse être généralisé au même titre que, à l'heure actuelle, est le dépistage du cancer du sein ou du cancer du côlon. Le dépistage actuellement est recommandé à partir de 50 ans et jusqu'à à peu près 70-75 ans. Quand on dit dépistage, bien sûr, c'est dépistage de formes précoces qui sont curables.